Salut tout le monde, c'est Myriam, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens dans un vlog. Qu'est-ce qu'il y a, Will? Tu reviens? Je reviens. Ah, tu vas bien? Ah ben je suis contente, mon amour, que tu vas bien. Ok, je vous reviens dans un vlog parce que j'ai reçu un colis de... Je sais pas si ça vous paraît. Ah oui, la Maison Lavande! Fait que j'ai commandé à la journée de la Terre, t'avais comme des rabais. Puis là, je l'ai préalablement ouvert parce que ça fait du bruit en tabarouette. Fait que j'ai quand même acheté. Ben non, j'ai acheté pour 82$. Là, j'ai été très stratégique. À 75$, t'avais le shipping gratuit. Puis à 80$, t'avais deux produits gratuits. Fait que moi, j'ai commandé pour 82 et 65 sous. Fait que je suis bonne. Je me trouve bonne. Okay. Sur ça, il y a quelques produits à moi, puis il y en a beaucoup qui sont pour ma belle-mère. Parce que ben, c'était pour son cadeau de fin de mère. Fait qu'il est marqué merci Myriam, la douceur est arrivée. Profites-en bien, Laurence. Fait que merci Laurence d'avoir emballé mon colis. Et là, c'est ça. Là, une des. Ça, c'est moi qui l'ai commandé, je pense. Oh, c'est drôle, ils le mettent au début. Fait que là, j'ai commandé un linge à vaisselle qui est marqué ici, le bonheur est fait maison. Fait que je trouvais que c'était vraiment une belle attention pour ma belle-mère. Puis dans le fond, ben, t'es supposé comme le. Ben, du coup, tu fais ben ce que tu veux avec, là, mais tu sais, tu peux comme l'accrocher comme ça là, sur ton poêle, ton four, comme tu veux. En tout cas, fait que je le trouvais très joli. Puis je voulais l'avoir. Ah, il sent la lavande. Ça sent délicieux. Bon, après ça. Mon colis sera pas cassé, mais en tout cas. Donc, je vais essayer de retrouver ce que j'ai pris pour ma belle-mère puisque j'ai pris pour moi. Fait que pour elle, j'ai pris une petite eau de linge à la senteur de fleurs blanches et lavande. Fait que j'ai pris vraiment un petit format parce que j'en ai pris deux. J'ai pris un petit format puis un gros format d'une autre sorte. Fait que ça. Pour moi, j'ai pris une mousse de bain fleurs blanches et lavande parce que j'avais jamais essayé leur mousse de bain. Puis, j'en avais pas. Puis j'en cherchais. Je cherchais justement une entreprise qui faisait de la mousse de bain qui était plus, comme qui avait juste un petit plus. Fait que j'en ai pris chez Maison Lavande. Ça, c'est pour moi. Pour. Ça, c'est une gratuité parce que j'ai pas acheté ça. C'est du savon vaisselle pur lavande. Donc, c'est leur senteur qui est juste de la lavande. Fait que ça va être pour ma belle-mère. Je vais lui donner la gratuité. Ah oui, ça, j'ai pris ça. Vous allez peut-être pas le voir parce que c'est bien emballé. Puis je vais le laisser là, mais c'est une gelée de piment fort et lavande. Puis dans le fond, c'est pour mettre sur. Je sais qu'elle aime ça faire des. Ma belle-mère aime ça faire des plateaux de charcuterie, de fromage. Puis je sais pas, je me suis dit que ça serait vraiment bon. Fait que j'ai. À chaque fois, là, en elle aussi, j'avais pris une petite affaire dans la section nourriture. Fait que là, encore une fois, je lui ai pris ça. C'est pas fini, c'est pas fini. Ah, c'est ça. Comme je disais, j'ai pris une grosse bouteille d'eau de linge. Fait que là, j'ai pris la senteur juste pure lavande. Puis, ben, j'avais pris le petit comme ça pour voir comme si elle aime ça juste pure lavande ou si elle aime ça une autre sorte. Puis, je pense qu'en elle, j'avais déjà pris une bruine d'ambiance. Fait qu'il y a comme une bruine d'ambiance qui est pour comme mettre sur, mettons, tes divans, si tu veux, là. Puis tes rideaux, mettons que tu accueilles des gens, puis si tu veux que ça sente plus bon. Puis t'as l'eau de linge qui est vraiment faite pour le lit, comme les têtes d'oreiller, le lit et tout. Fait que ça, puis après ça, ah ben, un petit échantillon gratuit de crème à main. Oh, il n'y en a pas beaucoup par contre. Il est comme à moitié plein. Mais c'est un échantillon. Fait que c'est déjà très gentil d'avoir passé à nous le donner. Ah, ça, j'y ai pris. Non, ça c'était gratuit. Un nettoyant tout usage à la senteur pour lavande. Fait que ça aussi, ça va être pour elle. Pour elle ou pour moi? Je vais y penser. Parce que j'en avais déjà pris un, puis j'en avais pris un pour moi. Fait que je vais regarder. Mais nous, je nous avais pris chacun un nettoyant tout usage pivoine et lavande. Fait que là, je sais pas. Parce que moi, dans le fond, je m'étais pris. Fait que moi, dans le fond, je me suis acheté ces deux produits-là.
Puis là, je vais virer ma tête pour voir si j'y offre les deux senteurs. Mais je pense que j'ai déjà donné une senteur demain. Oh non, j'avais acheté cèdre et lavande. Ouais. Non, je vais tout y donner. Parce qu'elle mérite tout. Tout. Fait que ça, j'avais pris 5 produits, puis j'en avais 2 gratuits. Fait que c'est ça. Fait que moi, ben, je me suis gâtée un petit peu pour arriver à 80$. Puis c'est ça. Fait que c'est ça que je voulais vous présenter. Puis sur ce, ben, on se revoit à un autre petit segment quand j'aurai jamais vu filmer. C'est dans plus la fin de semaine que la semaine. Fait qu'on se reparle. J'ai essayé justement la mousse, tant qu'à être dans ce sujet-là. J'ai mis 4 capuchons. Ça dit d'en prendre 2, mais j'ai essayé 2, puis après ça, j'en ai remis 2. Ça donne pas mal une belle mousse, ça sent vraiment bon. Fait que là, j'ai un petit chocolat de Pâques, de l'eau, une chandelle. Ça, c'est une chandelle que j'ai faite à la main, là, fait que je voulais la passer. Et là, je vais lire le tome 2 de 365 jours, parce que ben, le film 2 a sorti sur Netflix, puis j'avais pas de marque-page, fait que là, je vais prendre celui de ma belle-mère, là, qui a aussi écrit des livres érotiques. Fait que Bullfighter, tome 1. Fait que ça, c'est aussi un livre érotique, mais de Cowboy Rodeo Québec, ben, comme slash au Québec. Fait que, ben, même si Tegman, dans son livre, elle parle jamais qu'elle est au Québec, mais on a comme pressentiment, là. Fait que c'est ça. Fait que je vais faire un petit bain comme ça ce soir. Hello tout le monde! Je vous filme tout spontanément. J'étais pas supposée, mais je suis vraiment, vraiment, vraiment heureuse parce que je viens d'aller faire une soumission. C'est ma troisième soumission techniquement pour mon idée de party YouTube. Puis excusez le bruit de mon l'air climatisé, on va l'enlever. Fait que là, je viens d'aller voir le prix, puis je suis comme entre mon budget. Je m'étais mis un budget de temps, puis je le dépasse un peu. Mais c'est carrément normal pour ce que je voulais. Fait que je suis vraiment, 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 vraiment heureuse. C'était quand même un petit peu spécial que ce que je voulais. Fait que je comprends que ça dépasse un peu ce que je m'étais dit dans la tête. Fait que je suis vraiment contente. Fait qu'il y avait 3 places que j'ai faites. La première était comme... En fait, c'était plus que ce que je voulais. Fait que le prix était vraiment plus cher. Puis elle pouvait pas descendre son prix. L'autre place faisait juste, en fait, pas tout ce que je voulais. Puis là, je viens d'aller faire une place. Puis ils ont même accepté, genre, sur 3 idées, ils en faisaient juste 2. Puis là, elle a été voir son pâtissier, puis elle était comme, ah, elle voudrait faire telle affaire de plus. Puis il dit, ben, on va y faire. Genre, on va commencer au pire à l'en faire. On n'en fait pas, mais on va essayer d'en faire. Puis il m'a fait un bon prix, justement, parce que c'est pas quelque chose qu'ils font habituellement. Que je suis vraiment excitée, gang! Vous n'avez pas idée! Fait que là, je viens de texter à ma mère, je viens de texter à ma belle-mère. Hier, j'en ai parlé avec mes friends. Mes girls, ils disaient comme, bah, ben, tu sais, on va tous faire le gâteau ensemble, puis ça va être cool. Puis j'étais comme, non, 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 c'est pas ça mon idée! Quand j'ai une idée en tête, genre, moi, je suis comme focussée sur ça. Puis là, c'est ça. Fait que pour mon événement YouTube, pour mes proches et ma famille, et mes amis, proche, c'est ça. Fait que là, je voulais vraiment comme quelque chose de grandiose. Puis, parce que ça, je sais pas si vous me connaissez, mais moi, je suis une fille que je pleure souvent aux fêtes parce que c'est jamais comme je veux. Fait que là, cette fois-ci, je vais me faire mon party de rêve. Je vais mâcher mes affaires, puis il y aura aucune surprise. Puis, je vais tout contrôler, ça va bien aller, puis je serai pas déçue. Puis parce que je déteste ça, genre être déçue, puis après ça, décevoir la personne qui m'a organisé une surprise. Ça me fend le cœur en deux, vous avez pas idée. Puis, c'est ça. Fait que là, je me retourne à la job parce que j'ai pris un petit peu de temps de job pour ça. Fait que c'est ça, j'ai vraiment compté! C'est tellement le fun! J'ai vraiment hâte de vous filmer ça. Puis, c'est ça, je voulais pas vous le cacher. C'est pas un événement à cacher à personne. C'était vraiment juste. Je vais vous en parler comme au fur et à mesure. En fin de semaine, je pourrais aller au Dollarama. Puis là, l'autre chose qui est vraiment importante pour moi, c'est ça, c'est la déco. En fait, la grosse pièce maîtresse de mon party YouTube, ça va être la table de dessert. Fait que c'est ça. Fait que là, cette semaine, en fin de semaine, je vais acheter des napkins rouges et blancs que je vais comme mettre un par-dessus l'autre. Je veux tous les ustensiles puis la vaisselle rouge et blanc. Bon.
je sais pas jusqu'à quel point. Puis l'autre pièce maîtresse, à part que les desserts que je viens de faire check, ma mère m'a dit qu'elle voulait s'occuper des ballons, mais je veux pas qu'elle s'en occupe à 100%. Bon, si elle veut payer, c'est chill, mais je veux comme ça soit une collaboration dans les idées. Parce que j'ai une idée de ballon. Je veux comme faire une demi-arche de ballon, là, comme autour de la table à dessert. Faut aussi que j'ajoute une nappe blanche ou rouge ou noire. Blanc, rouge, noir. Mais ça, fait que là, l'autre élément très central de l'événement, ça va être des ballons. Fait que c'est ça. Ça va être une soirée qui va coûter cher. Mais c'est pas tous les jours qu'on fête ces 5 ans YouTube. Fait que pour une fois, genre, je vous le dis, là, quand, si vous avez une idée comme moi puis vous voulez vraiment le faire, là, faites-le. Puis dépassez la somme que vous êtes capable. Si ça vous tente aussi, là, rendu là. Mais c'est ça. Fait que quand vous tenez qu'il y a un projet à cœur, faites-le. Puis parce que je veux tellement pas regretter quoi que ce soit. C'est vraiment ça en ce moment, mon minding. Je veux pas regretter de pas l'avoir fait. Fait que toutes les idées que j'ai, je suis en train de les checker, je suis en train de les faire. Puis je fais des checks à ma petite liste mentale de ce qu'il faut que je fasse. Puis c'est ça, j'ai hâte. Oui! Merci, bonne journée. Hello tout le monde, j'ai pris le nouveau café. Ah mon dieu, les gens. Peut-être pas passer par là. Hein? C'est ça, j'ai pris le nouveau café infusé à froid à la noisette de Tim Horton. C'est vrai que j'ai peur d'aller là. Tout le monde se klaxonnait. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai-tu dû tourner ici? Oui. Mais là, il y a l'air d'avoir plein de gens. Je sais pas dans quelle ligne ils sont. Là, il y a un piéton. Ah! Yeah! Bon, allez-y, madame. Ouais, c'est ça. Fait que je vais avoir le temps de vous parler. Fait que je voulais faire un petit test avec vous, puis tout. Puis pour voir comme si, comme on dit, ils ont upgrade leur game comme Starbucks. Je vais pas tant souvent chez Starbucks. Vraiment pas. Je ne traite pas vraiment à dépenser. Parce que quand je vais, je prends toujours l'affaire la plus spéciale au monde. Puis ça me coûte tout le temps genre 9$. Puis ça me gosse un peu. Ça me gosse un peu payer un café 9$. Fait que là, il me l'a pas brassé. Fait que ça fait vraiment la belle couleur comme ça, étagée. Puis tout le monde dit qu'il est excessivement bon. Fait qu'on va goûter ensemble. Je vais essayer de rouler droite en vous parlant. Puis là, je sens que ça va me taper sur le nerf. Ouh, ouh, ouh! La technique de la mort. Ouais, dans Valleyfield, c'est pas facile de sortir des rues. C'est tout est super étroit. Bon, ok. Ouh, hey, de un, là, genre la mousse, elle sent tellement bon. Je pense que c'est justement la première fois que Tim a de la mousse froide. Avant, sinon, ben, ils mettent tout le temps de la crème fouettée. Là. Mettons, c'est cappuccino. Que cheers! Leur mousse froide est vraiment bonne. Pas trop sucrée. Ouais, c'est ça que j'aime. C'est pas trop sucré. Oh my god, c'est vraiment bon. Définitivement, là, je le prendrais. Genre, ça va être mon nouveau go-to. Le moyen est quand même 4,25. Mais c'est sûr qu'on est loin du prix Starbucks quand même. Ouais, j'imagine qu'elle va aller là. Fait que, oh miam. Définitivement, mon nouveau café que je vais prendre chez Tim Horton. Oh mon dieu, je me mélange même avec Starbucks, ça va bien. Délicieux, pas trop sucré. Comme que j'aime, avec une saveur. Tu sais, moi j'aime ça les cafés, pas trop sucré, mais avec bien de la saveur. Là, comme faut que ça goûte, puis ça goûte. Il est vraiment très très bon. Fait que je vous le conseille. Sur ce, je m'en vais à la maison. On est vendredi soir pour moi. Puis je m'en vais débarquer mes pneus de mon char parce que je suis plus capable. Ça fait 3 jours qu'ils sont là, puis genre ça m'écœure. Puis vu qu'il fait beau, puis ce soir c'est un vendredi soir alone pour l'instant, moins que je texte mes meilleurs amis. Mais j'avais comme goût de rien planifier tout de suite. Je sais pas si j'arrête peut-être m'acheter une baguette de pain pour me faire du tartare à la maison. Ah, je pourrais souper ça, un bon petit tartare fancy pour moi. Ok, we will see. J'ai pas encore vlogué là pour te présenter, mais te présenter. Je pense qu'ils savent c'est qui ma soeur. On a pris un bubble tea. Moi j'ai pris quoi? Mangue et passion.
ça, c'est frappé. Un frappé mangue pêche ananas avec des billes de pomme-grenade. Attendez, on va faire une miniature. Non, tu montes ton île là. Bon, un samedi soir qu'on mange encore du maison de Chine, donc du chinois pour nous. Fait que j'ai été porter ma soeur chez moi, puis là, ben, comme ça, vous savez, peut-être pas, ma mère habite assez proche du restaurant chinois le plus délicieux que je connais. Okay. Je vais me déplacer la boîte. Ici. Puis, d'après. Ouh, prêt. Et là, ma mère m'a donné énormément de choses. Fait que je voulais vous les présenter. Rendu à la maison. Fait que, puis j'ai acheté quand même beaucoup de choses. Fait que j'ai hâte de vous faire un petit tour là à la maison. Hello, je suis revenue à la maison. Il est quand même tard, on a mangé le chinois. Puis, j'étais couchée. Fait que ça paraît que mes cheveux, ils ont comme. Ils étaient comme en tapon. Là, je viens de me faire un petit belaise avec. Mes cheveux. On dirait que j'ai bavé dessus, genre. Fait que t'es sur comme cotonné. Ouais, belaise caramel salé avec un peu de lait et de la glace. Pour vous montrer mes affaires, que j'ai un énorme sac. Fait que là, je vais essayer d'aller vite parce que j'ai du stock que ma mère m'a donné. J'ai ma commande de la vente L'Oréal qui a eu lieu il y a 2-3 semaines parce que c'est ma mère qui a commandé pour moi pour avoir le shipping gratuit. J'ai ma commande, j'ai été à la pharmacie tantôt. Puis j'ai mes stocks que j'ai achetés aujourd'hui. Fait que on y va tout de suite. Ma mère m'a donné des petits pantalons noirs. Ben normal. Et une petite robe. Une petite robe comme ça. Ok, ça c'est donné. Fait que faut que je vais les essayer. Après ça, ce qu'elle m'a donné, c'est des nappes. Une grise puis une beige. Parce que je sais pas pourquoi, mais on parlait de nappes, puis elle m'en a donné deux. Fait que ça complète la première. Après ça, dans le sac d'évité ici, c'est toute la commande L'Oréal. Fait que on va vous présenter vite parce que je pense qu'elle finit la vente. Ouais, je pense qu'elle est vraiment finie. Mais en tout cas, c'est juste comme des gugus, fait que j'avais pris du shampoing sec au mojito. Je sais pas, on va voir. Ça, ma soeur, elle a dit que c'était écœurant. Ah, ça a l'air de venir de... c'est un échantillon de Pharmaprix. Fait que c'est un masque, dans le fond, que t'appuies. Là, le jet s'en va dans l'autre enveloppe. Ou ici, il y a un masque. Fait que ça a l'air que c'est écœurant. J'avais aussi pris du gel à sourcils de NYX. Fait que tout ça, je vais essayer ça dans la prochaine vidéo. Là, ça, c'était tout vraiment pas cher. Un masque de purifiant matifiant de L'Oréal Paris. Okay, ça aussi, c'était pas cher. Il reste deux petites affaires. Pas pris grand-chose. Un autre masque apaisant à l'aloès de Vichy. Et un petit crayon... de Rosé pour quel de leur de je pense que c'est L'Oréal aussi. En tout cas, je vous prends un petit crayon à lèvres. Ok, ça c'était ça. On essaie d'aller quick. Pour la pharmacie, bon, à la pharmacie j'ai pris mes médicaments. J'ai pris parce que j'ai mon mascara, fait que je vais en essayer un nouveau. Fait que j'ai pris celui de Bambi de L'Oréal Paris. Ouais, c'est ça. Fait que, dans le fond, mon préféré à moi, c'est le Lash Paradise de L'Oréal Paris, mais il était 18$. Puis, tant qu'à faire, je veux voir s'il y en a un d'autre qui va le détrôner au fil du temps. Fait que j'arrête pas d'essayer d'autres mascaras. Fait que lui, il était en spécial à 12$. Et là, il était en spécial à 20% de rabais. Donc, j'ai pris mes patchs préférés pour les yeux de Clorane. Puis, dans le fond, moi, j'adore les mettre dans mon frigidaire de make-up parce qu'ils sont tellement froide, puis ça l'aide vraiment à mes poches. Okay, quand je les achète seulement quand ils sont à 20% de rabais. Sinon, je ne les achète pas. Fait que ça, c'était pour mes achats de pharmacie. Et là, je me rends dans. Voyons. Oh, c'est pas grave. Je rentre dans les achats de la journée avec ma soeur. Fait que j'ai été chez H&M. Puis là,
Genre, je trouvais tellement drôle. À chaque place qu'on est allé, ils sont comme, ah, voulez-vous payer un sac pour 15 sous? Puis je suis comme, non, parce que genre, Foot Locker m'en avait donné un énorme. Puis à chaque fois, ils finissaient par me donner des sacs. Fait que ici, j'ai deux chandails de H&M à 15$ chacun. Donc, cette camisole-là, je l'ai repérée parce que chez Dynamite, il y a la même. Puis est un petit peu plus cher. Fait que là, j'ai décidé de la prendre chez H&M pour 15$. Fait que petite camisole noire. Là, elle a des marques de déodorant à cause de moi. Fait que je la trouvais super douce. Puis c'est ça. Je l'avais déjà spotée chez Dynamite. Puis là, elle était bien moins chère. Puis ça, c'est imitation aussi d'un chandail que j'ai vu aussi chez Dynamite, mais que j'ai lu il y a fort, fort lointain. Puis c'était pour juste un chandail de job. Là. Fait qu'un petit mauve lila comme ça, avec les. Un petit peu. Un petit peu qui s'évapore là. Fait que c'est juste pour mettre avec un beau petit pantalon noir à la job tout simplement. Fait que c'est aussi 15$. Que H&M terminé aussi. J'ai été chez Renombré. Puis je me suis pris le tome 1. Parce que vous l'avez vu peut-être dans mon dernier Costco haul. Que j'avais acheté chez Costco le tome 2 et 3. Puis il n'y avait pas le tome 1 au Costco. Donc chez Renombré, j'ai acheté le tome 1. Les Rokesby, ou les Rokesby. Dans le fond, c'est l'histoire de avant les Bridgerton. Que là, j'ai maintenant les trois tomes que je vais pouvoir commencer dès que je finis la série des 365 jours. Je vais commencer celui-là. Ah non, il me reste le Bridgerton 9 à lire. Puis après ça, je vais pouvoir tomber dans cette série-là. Puis au Costco, là, il était tellement moins cher. Il était genre 19$. Puis là, j'ai payé 28 avec les taxes. Ça paraît. Après ça, j'ai été chez Lush. Je vais vous montrer. Je suis très, très, très raisonnable, mais quand même, à chaque fois que je vais chez Lush, j'en prends au moins une. Comme, au moins une bombe. Juste pour comme récompenser. Peut-être qu'une journée, ça va arriver. Et là, j'ai pris une petite vache. Look at that, comment elle est cute! Fait que c'est ça, j'ai pris une petite vache qui est comme multicolore. Puis elle était 5,99$, je pense. Fait que c'est ça, j'aime ça tout le temps avoir une petite bombe de bain pour me récompenser si jamais il y a lieu. Je me suis pris ça. Et le plus gros article que je pensais tellement pas m'acheter aujourd'hui, mais finalement j'ai craqué, vous voyez. Je me suis acheté des Converse. C'est tellement pas mon genre, là, vous avez aucune idée. Ça, c'est dans le fond l'histoire. Attendez. L'histoire remonte à quand même assez loin parce que Will a toujours trippé ses Converse. Puis moi, j'étais une fille de Vans. Genre, all the way. Puis là, ma soeur, tantôt, elle s'est acheté des Converse. Puis j'étais comme, ah, oh, tu sais, Will me disait que c'est beau. Puis là, j'ai regardé sur ma soeur. Puis je suis comme, ah, oh, ça te fait vraiment bien. Puis tout. Puis ma soeur a pris le modèle comme de Converse, comme que le tissu va plus haut que dans la cheville. Je trouvais vraiment beau, puis tout. Puis là, j'étais comme, non, non, non. Puis là, je me suis dit, je vais essayer le démo. C'était un 6, exactement ma taille. Puis là, je suis comme, ah, c'est beau, c'est beau. Fait que là, je demande au gars, je suis comme, il y en a-tu? Puis il est comme, ben, il reste le démo. Sinon, dans 9, que personne n'a essayé, dans le 9, 9, genre le 9, il avait dans la grandeur 4. De junior, ce qui veut dire que c'est le modèle enfant, donc il était 5$ moins cher. Fait, puis il était aussi genre jamais utilisé. Fait techniquement, ah ouais, c'est ça qui est drôle. Okay. Techniquement, il est écrit qu'ils sont 70$. Sauf que, puis là, moi j'ai gossé la fille parce que moi je voulais payer ce qui était sa boîte là. Ici, il est marqué 65$. Fait que pour 5$ de moins, j'ai eu ça. Fait que je suis bien contente. J'ai eu les souliers que je voulais. Fait que ils sont vraiment beaux. J'ai des prix blancs. Ça, ça va être vraiment des souliers pour sortir le week-end. Parce que à job, chez Akioto, dans le concessionnaire, ça va se salir bien trop vite. Fait que, et voilà, j'ai fait ça en 8 minutes. Je suis moins pas si peu que je pensais. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'ai plein d'idées pour la prochaine. Pour surtout le mois de mai. Ça va être un gros mois parce que ça va être mon 5 ans YouTube. J'ai beaucoup d'idées. Puis en même temps, on arrive proche du 1300 abonnés. Puis je vais faire un autre petit concours. Donc si jamais ça te tente d'abonner, c'est le moment.
Fait que merci d'avoir regardé la vidéo, puis nous on se voit ben, à l'habituel, là, une le mercredi, puis une le samedi. Bye tout le monde!